attends. Tu dis du con, tu vois, il s'arrête. Et au fait, j'ai vu que t'avais une photo de Patricia Cass dans ta voiture. T'aimes bien ? Parce que c'est elle qui a produit Mister Bakshish. C'est cool ça. Bakshish ! Tiens. Cool. Ah non. Ah mais qu'est-ce qui m'a foutu dans cette flasque? Alors, mademoiselle chante plus le blues là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des putains de pattes de lapin! J'ai des pattes de lapin, bordel! C'est pas possible! J'ai une queue! Mais pourquoi? Oh nom de Dieu! Mais oh, j'ai les intestins en vrac! J'ai mal au cul! C'est quoi cette odeur? Oh non, il est pas mort. Je vais te finir. Bouge pas. Je reviens tout de suite.
et je vais te foutre des pierres dans la gueule jusqu'à ce que tu crèves, charogne. La dune. Oh non, il se casse avec ma ZX. Je te retrouverai. J'ai senti de nicotine depuis 6 mois. Oui, oui. C'est pas possible. Du clan SPA, Freddy Mercury et les raviolis aussi. C'est la même merde partout, par tous les temps depuis longtemps. On se met des grands coups dans le cul pour plaisir ou pour l'argent. Tu sais qui je suis, je suis pas ton pote. Je suis celui qui laisse toujours un peu crotte sur le bas-côté des chiottes. Mon pote, t'as pas fini d'en voir. Alors passe-moi le claco, s'il faut que je prive la gueule pour envoyer un flot qui pète. Par ta système, je rappelle encore une fois qu'il faut pas te frotter avec ces gars-là. Sans plus violent que le combat de Booba à base de caca calma. Un rap de chacal qui pue comme un bouche claquos coincé dans tes amygdales. Un rap de chacal qui pue comme un bouche claquos coincé dans tes amygdales. Coupé! Merde! C'est quoi le problème? Y'a un putain de téton. Quoi? Mais ouais, le problème c'est que t'as demandé à ta cousine de venir, elle a un truc trop petit, alors ça dégueule. Non mais c'est drôle un téton, on en a rien à foutre. Toi ça te fait peut-être marrer? Mais je vais t'expliquer la situation, que tu comprennes bien une bonne fois pour toutes. Là, on tourne un clip. Un clip, ça passe à la télé. À la télé, un téton, ça ne passe pas, ok? Je vais pas passer 1h30 en post-prod à mettre un petit flou dessus, donc on va la refaire. Tout le monde, on m'écoute, s'il vous plaît, on prend 2 minutes pour mettre un scotch sur le nichon de la demoiselle. Donc je veux que tout le monde soit en place pour la refaire dans 2 minutes, merci.
Bâtard système. Bâtard système. Nicolas SPA. Freddy Mercury et les raviolis aussi. Ah, Marco. C'est qui? C'est le prod. Bon, changement de programme. Pause illimitée pour tout le monde. Quoi encore? En fait, là, ce qu'on tourne depuis deux jours, la prod, ils ont prévu autre chose. Quoi? Comment ça, autre chose? Non mais tu rigoles, c'est moi qui paye le clip, ok? Je fais ce que je veux, mec. Ouais, mais quand on fait sa star et qu'on demande à enregistrer la moitié des tracks à un mois de la sortie du disque, ça coûte bonbon. Traduction, tu n'as plus d'argent, c'est le label qui paye. On filme quoi, alors? Là, on filme un autre scénar avec d'autres comédiens. Mais toi, t'es plus dans le clip, je crois. C'est un autre bus. C'est quoi, ces conneries? Eh, moi, je suis que le réa, ok? Là, je suis payé pour mettre le clip en boîte. Hein. Il me reste 4 heures. Donc, si tu pouvais quitter le plateau... Mais oh là! Ça va? T'es contente? C'était bien éclaté avec mon fric, hein? Qui c'est qu'a bouffé les racines tout l'hiver? Les poils collés au fond d'un vieux cloaque putride? Maintenant tu vas moins rigoler. Tiens! Déconne! Merde! C'est pas vrai! T'en veux encore? Est-ce que t'en veux encore? Je vais t'apprendre à danser, moi. Je vais t'apprendre le tcha-tcha-tcha. Non! Alors, c'est quoi tes dernières voix?
Scarlett Johansson. Hi. How you doing? Ouais, ça va. Et toi? Pretty good, actually. Qu'est-ce que tu fais ici? I just want to be with you right now. Cool. Ah, ah, Bâtard System. Bâtard System. Nicolas SPA, Freddy Mercury et les raviolis aussi. C'est la même merde partout, par tous les temps depuis longtemps. On se met des grands coups dans le cul pour plaisir ou pour l'argent. Tu sais qui je suis, je suis pas ton pote. Je suis celui qui laisse toujours un peu crotte sur le bas-côté des chiottes. Mon pote, t'as pas fini d'en voir. Alors passe-moi le claco, c'est bon que je pue la gueule pour envoyer un flow qui pète. Par ta système, je te rappelle encore une fois qu'il ne faut pas te frotter avec ces gars-là. Un rap hardcore sans foi ni loi, sans fois plus violent que le comeback de Booba à base de caca calma. Un rap de chacal qui pue comme un bouche claco, coincé dans tes amygdales. Un rap de chacal qui pue comme un bouche claco, coincé dans tes amygdales. Alors les danseuses, on est contente, on est satisfaite. Le film est fini, on peut reprendre son petit train-train et chier sur cette défroque de renard qu'on oubliera demain. Mais je suis pas un renard, je suis vivant, je suis un comédien en chair et en os. Julien Girard aussi, mais lui par contre c'est un sac à merde. Et celui qui a fait le film, c'est cette espèce d'alligator PD de Yannick Lecœur. Maintenant, il est temps pour moi de vous chasser de mon film. Quittez le plateau et allez tous vous faire tatouer des croix gammées sur le fion.